Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 82 sur Hogwarts Legacy dans cette eh bien magnifique musique. Voilà, on est en mode détente, on est bien. Et je sais pas pourquoi je prends un accent, c'est raciste, mais bon. Voilà. Donc écoutez, faisons le point. Faisons le point, nous avons plein de choses à faire. La dernière fois, on s'était quitté avec un épisode où j'avais vu avec vous l'un des secrets de Poudlard. Alors, il y en a trois. Le premier étant... Alors, justement, je vais peut-être profiter de cette vue pour vous montrer. Le premier se trouvant ici, n'est-ce pas? Rappelez-vous, ici, il y a des statues qu'on doit enflammer dans un certain ordre avec des symboles qui nous sont indiqués. Et ça nous ouvre un passage en dessous du pont pour accéder à un coffre. Le deuxième secret étant... Dans le bureau du directeur, il y a une porte qui vous donne accès à une clé. Et après, vous avez un passage à côté du bureau du directeur où il y a un grillage, on l'avait vu. Et c'est là où vous trouvez eh bien les... j'arrive plus à trouver le mot. Le livre... Et la plume, la plume et le livre concernant les inscriptions magiques des étudiants Poudlard. Voilà, de façon très magique, très Harry Potter et autres. Donc, je vous avais dit la dernière fois que j'étais très ému d'avoir cette référence que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps en étudiant un peu les livres d'Harry Potter. Car c'est vrai qu'en voyant les films, c'est toujours une question que je me suis posée, c'était est-ce que c'est vraiment Dumbledore ou d'autres personnes de l'administration de Poudlard qui envoyaient les lettres à Harry, ou est-ce que c'était... un objet magique dédié comme ça, parce que maintenant qu'on est à l'heure du mail, des SMS ou autre, est-ce que dans le monde magique, il y a un système de mail automatique? Et la réponse est oui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, alors, sous réserve que je me trompe et que les infos qu'on m'a données sont fausses, on m'a dit que il n'y avait effectivement pas trop d'électricité dans le monde magique, parce qu'apparemment les sorciers ne sont pas tellement fans d'électricité. Ça provoque des effets un peu douteux. Donc on m'a dit que c'était volontaire qu'il n'y a pas d'électricité dans le monde magique, sans compter que bah, l'électricité c'est une invention humaine des Moldus. Donc peut-être qu'ils n'ont pas aussi envie de s'accaparer la technologie des Moldus, tout simplement. Voilà. Donc pourquoi on se retrouve ici? Réveillez-vous. Eh bien, on va faire une petite exploration, encore une fois. On va faire une petite exploration de... Voilà, bon, tout ça, on s'en fout. Alors, on va faire une petite exploration des alentours. Mais pas trop longtemps. Parce que il y a... Oula, il y a un petit bug visuel, attendez. Ah ouais, wow, c'était violent. On va faire une petite exploration, mais pas longtemps non plus, parce que il nous reste encore des défis à compléter. Et ce que j'aimerais bien m'occuper aujourd'hui, c'est... C'est où? C'est pas là. Salle sur demande peut-être? Faire reproduire 10 créatures uniques. Bon, ça va falloir s'en occuper, oui. Sauver des créatures, voilà. Tout ça en fait. J'aimerais bien m'occuper de la salle sur demande parce que bah c'est quelque chose que qu'on faisait jamais et autres. Donc là, bah, va falloir s'y mettre, tout simplement. Rébellion. Ok, là c'est ça. Donc on va juste se balader comme ça. Attendez. Voilà. Bien ce que je me disais. Et une autre page de trouver. Wouhou!
Bon, comme d'habitude, rappelez-vous, hein, il peut y avoir des petites lagouilles, mais c'est normal, c'est le début de l'épisode, donc faut le temps que bien l'ordi chauffe. Bonne idée, ces vieilles cartes au trésor. Revelio. Je pensais qu'il allait avoir une page, mais bon, apparemment non. Les pages, ça va être compliqué à trouver quand même, hein. On va pas se le cacher. Alors concernant le dernier secret de Poudlard. Ça, je n'ai pas trop d'indices là-dessus. Dans la logique, étant donné qu'on a un peu tout visité, je tends à dire que le dernier secret serait peut-être le fait de d'avoir tout récupéré quelque chose. D'avoir interagi avec tout type de choses. Par exemple, il y avait des statues en flammes là qu'on devait enflammer, des statues qu'on devait faire léviter. Donc peut-être que tout simplement, on aura fini les secrets de Poudlard quand on aura tout débloqué en gros. Mais ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse qu'on ne peut pas trop vérifier pour l'instant. Attends. Mais ça, on connaît déjà ça. On va quand même y aller, peut-être par précaution. Voilà. Je vais juste aller voir vite fait, si vous me le permettez. Je vais juste aller voir vite fait parce que c'est vrai qu'on on n'est pas retourné là-dedans. Et je vais voir s'il y a des couloirs. Dépendant de Poudlard simplement. Et que du coup on peut les débloquer pour continuer un peu d'acheminer nos quêtes. Alors je précise, je le répète encore une fois, il y a un défi qu'on doit valider, les exploits de duel, où il y a 45, il me semble que c'est un 45 exploits de duel à réaliser. Non, on n'obtiendra rien ici. Oh non, me dis pas qu'il faut quand même que je le fasse! Oh fuck! Non! Bon, bref, je vais vous parler en attendant de le faire. Hein. Du coup, je disais, excusez-moi, que du coup, les exploits de duel, je ne les ferai pas en vidéo. C'est dit, c'est acté. Sauf si pendant l'accomplissement d'un autre défi, on en ait besoin. Enfin, pas qu'on en a besoin, mais si par exemple, quand on a à accomplir une quête, un défi, on a la possibilité en même temps de faire un exploit de duel, on le fera. Mais sinon, on ne le fera pas. Voilà. Donc c'est le petit outil. Action. Bah alors. Il veut pas? Ah non, mais c'est parce que maintenant il est devenu un... Ouais. Voilà. Wow! Désolé, c'est assez brutal, hein. Alors attendez. Action.
Voilà. Désolé, hein, c'était pas prévu, mais bon. Ah ouais, on avait galéré à celui-là. Oh là là. Mais ça fait du bien de le refaire. Hein. Ça, je crois que c'est pour reset, non? Ouais, c'est pour reset. C'est ça. Ok. Action. Non, je voulais répulser. Répulsion. Répulsion. Je pense que l'épisode du coup va être un peu plus long là, vu que je fais des bêtises. Action. Action. Bon bah je me suis rattrapé hein. Bah voilà. Bah voilà. Bon. Bon 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 bon. On va devoir sortir un peu de Poudlard. Mais bon, j'ai quand même l'envie d'aller au niveau des serres avant de partir en exploration. Parce que c'est vrai qu'au niveau des serres, on n'a pas trop été. Mais je pense quand même qu'on a fait vachement le tour de Poudlard quand même. Hein, donc... Il y a encore des statues de demi-guises qu'on n'a pas trouvées. RIP à nous. RIP à nous. Il faut dire, regardez le château, comment il est grand. Vous imaginez pour tout chercher. Il y a la volière aussi. Hein. Je me demande si on a tout pris au niveau de la volière. J'aimerais bien y faire un petit tour. Après, il me semble que la volière... Il n'y a pas grand chose là-bas, donc à moins qu'il y ait eu une porte condamnée à base de Alomora niveau 3, je pense qu'on a un peu tout visité au niveau de la volière, mais bon, par acquis de conscience, je pense qu'on va le faire. Je n'arrive pas à croire qu'on se soit retrouvé coincé dans ce scriptorium, plus jamais. Oui bah, Coco, tu te... Revelio. Tu te calmes et tu prends un verre. Tu te prends un verre et nous on va aller au niveau de la volière. Alors la volière. Là ici c'est le terrain de Quidditch. Ici c'est l'endroit des barques là. Revelio. Thank you.
Je regarde un peu, hein, vous m'excusez. La volière, elle est là. En fait, j'ai fait tout le tour. Ouais, c'était à gauche du terrain de Quidditch. C'est vrai qu'en y réfléchissant, j'aurais pu m'en rappeler, mais bon. Rebellion. Y a pas l'air d'avoir grand chose. Ouais, c'est pas fameux, hein. Et je suis toujours surpris qu'il y ait rien au terrain de Quidditch. Je pense qu'on va peut-être y aller. Il y a peut-être quelque chose à voir parce que, quand même, le terrain de Quidditch. Rebellion. Bon là c'est les cailloux donc aucune utilité. Oh. Tiens, on n'a jamais été là. Bah si, c'est la maison. C'est la maison d'Hagrid. Bon, le cours sur les créatures. Est-ce qu'il y a quelque chose concernant les cours sur les créatures? Non, toi, j'ai pas envie de te parler. T'es méchante. Je vois rien. C'est par là, le terrain de Quidditch. On s'éloigne de l'enceinte. Et pas de la dame enceinte. Faut pas confondre. Rebellio. La corde, tu sais voler. Bah écoute, merci. J'ai un petit coup de Revelio pour les pages. Hein. Jamais vous vous demandez. Revelio. Alors, allons peut-être dans la plus haute tour. Donc là, c'est la tour d'astronomie. Ça me dit rien, ça. Vous ne pouvez pas descendre de votre monture ici. T'es sérieux? Ah, il y a des endroits qu'on peut vraiment pas... Bon, ok. Dis-moi quand même qu'on peut aller là. Ouais, je pense pas. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'intéressant ici. Alors attendez, j'aimerais aller au niveau des serres. Non, on a dit qu'on arrêtait. On a des choses à faire. Voyons voir la carte. On va s'occuper des créatures un peu. Carte du monde. Oh, regardez-moi ça, cette carte qui est, ma foi, bien vide maintenant. Je regarde, il me semble qu'en plus on a vraiment tout fait. Bah ça c'est cool. Je vous propose qu'on aille au point le plus proche qui est ici.
permettez-moi de vérifier quelque chose, parce que on va pas faire ça inutilement, il faut que ça marche. Hein. Donc, voilà, ici. On en a sauvé 6, d'accord? Donc voyons voir si j'en capture une, qu'est-ce que ça donne? Arresto momentum. Les deux sont... Tout va bien à présent. Voilà, 7 sur 20. Revelio. Maintenant, continuons. Arresto momentum. Je veillerai bien sur toi. Ouais, bah ça marche. On va capturer plein de crapauds. Rebellion. Arrête au momentum. Zut. Il s'est barré le con. Bon, il est là. Attends. Les deux sont. Tu veux bien coopérer un peu? Ouais, franchement, tu veux bien coopérer un peu. Je vais te arrêter au momentum la tronche, toi, ça va pas traîner. Alors attendez. Revelio. Mais il va loin le bougre. En plus, il y a un ennemi pas loin. Bon, attendez. J'aurais presque envie d'y aller en mode douceur. Moi je m'en fous, je poursuis, hein. On part à la chasse. Revelio. Arresto momentum. Les vieux sont. Je pense qu'il va aller se faire foutre. Pardon. Revelio. Ouais, je pense clairement qu'il va aller se faire foutre. Alors. Allez, on va aller voir nos amis les flaireurs. Oh purée, c'est loin. C'est loin, mais rassurez-vous, on va y aller prestement. Hop. Mais bon, on est fini la quête des ballons. Attendez, juste le faire vite fait pour voir si ça fait quelque chose. Oula, oula, attends. Nya. Nya. Ah bah vous voyez, j'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait de le faire. Cool. Bon, dès qu'on voit un ballon, on, les amis, on le péta. Hein. On le péta. Enfin, c'est un ensemble de ballons qu'il faut péta, mais vous m'avez compris. Arrête au momentum. Oh bah dis donc. Pas bien compliqué le bougre, hein. Professeur Owen ne me croira jamais. Ah.
Revelio. Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. Ok. Bon, on a récupéré tout ce qu'on avait à récupérer, mais il me semble qu'il y a un deuxième point, voilà, un peu plus loin. Des boursoufles. Allons voir nos amis les boursoufles. Et pas poursoufles, hein. Boursoufles et poursoufles, c'est pas la même chose. Ok. C'est de l'autre côté. Deux secondes, trois quarts. Faut passer par là. Oh purée. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Arresto momentum. Tout va bien. Revelio. Arresto momentum. Revelio. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Inutile de compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal. Arresto momentum. Calme-toi. Je ne te... Revelio. Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. C'est bien d'aller voir les boursoufles parce que je veillerai bien sur toi. Il y en a beaucoup. Revelio. Donc ça va pas mal nous aider tout ça. Arresto momentum. Voilà. Revelio. Arresto momentum. Professeur Owen ne me croira jamais. Voilà, alors voyons voir. Hop. Vous voyez qu'on est à 79. On avance pas mal, hein. On avance pas mal. Non, c'est pas là, c'est celle sur demande. Hein. Terminé. 30. Oh là là. Ah bah on n'a pas fini. Bah on va faire ça au prochain épisode les amis. Hein. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur Hogwarts Legacy. Désolé, ça va pas être la semaine la plus intéressante, mais bon. Voilà, sur ce, des bisous à tous et à demain. Ciao ciao.